Oui, c'est Crédit Co. Alors, ça, c'est Smart UPS Compact et 1 kW là, mais il vient avec remote contrôlé pour que au cas ouvert. Okay. Là, nous voyons que il y a un afficheur qui est affiché avec 13.5 et nous avons un power supply là qui est 13.6 et variation par ampère. Ok? Et là, qu'on y a là, une autre station qui ne pas consommer un pile wattage à vide. À vide là, c'est que l'inverteur a parti de trop courant à vide. Lorsque l'inverteur allumé, il n'y a pas grand qui bloqué sous lui, à vide, il n'y a pas même consommé 20 watts, qui est égal avec deux chargeurs, chargeur à 10 watts, et bien quoi, il est égal avec deux chargeurs Android si qu'il est connecté sous lui. Ok? Par exemple, là, bon, mon vieux inverteur, là, il est ouvert. Ok? Donc là, il est tiré 17 avec 18 watts. À vide, il n'est pas tiré en pile watt, même au niveau du banc de batterie. Non, hein. Et là, nous avons, il est avec 1.3 ampères. Et on va laisser un test pour nous là, pour nous garder pour nous et variation qui a gagné au niveau de tension sur l'inverteur, comment il a géré ça. Bon, mettez lié avec par exemple, on mettez avec 23 volts. 23 volts. OK, mettez la 23 volts. OK. À 23 volts, il est overload. C'est-à-dire que dès que tension dépasse sur batterie, il est overload. Il est overload parce que tension dépasse tension batterie. Par exemple, quand il y a parfois que quand il y a panneau solaire, puis panneau solaire entre directement sur l'inverteur bien haut, laisse ça les protéger l'appareil là, il est overload. Mais par contre, tension qui arrive avec 14 avec 15 sans problème, il est pas éteint parce que l'inverteur dès que tension arrive avec niveau ça, il est éteint. On essaie pour mon bagage, ben mettre l'inverteur là. Mettez-le là, il ouvre l'autre, mettez-le là. Ok, alors ça c'est Smart UPS et 1000 watts compact là. Et actuellement là, je fais la configuration pour regarder à quel niveau voltage que l'inverteur a éteint lorsque la batterie arrive. Maintenant, je suis avec 9.9 volts et là, nous avons 9.4 qui a fait au niveau de Smart UPS compact 1000 watts là. Ok? Et si moi on veut se battre pièce compact là, mais nous autres là, nous veut lire l'humain, nous veut 120 vols qui a fait qui 109 vols, il y a avec 9 vols batterie et il y a overload. Ok? Il y a overload. Ok, là maintenant, batterie avec 9.49 vols. Avec 9.49 vols, il n'y a pas de machine inverteur. La overload. Mais par contre, ça arrive avec WAPS, tirer en charge sur inverteur. Maintenant, qu'a chuté à 10 les batteries. Ok? Sauf que, mais il n'est pas trop dur. Là, avec 9.49, regardez. Avec 9.49 vols, là, vous voyez, il va être moins de 10 vols. Ok? On fait mini. Ok? On fait mini. Bon, on va configurer les. On va mettre là avec 9.90 vols pour regarder combien de temps la prend avant les vols. 9.90. 90 95 ok avec 9.95 mon veli il ouvert là sans problème pratiquement il est bien bé nous avec 112 volts ma vie est plus bon chargeur sur la couverture. Techniquement, sur le relais, parce que ma vie est plus que 10 watts qui connecte sur lui. Le bon chargeur. Le bon chargeur. Ok, batterie a chargé. Il était avec 9.95 là. Il était avec 9.95 là. Chargeur à tirer
12 watts. Chargeur a tiré 12 watts et 2 ampères. 12 watts, 2 ampères. Alors, avec 10 volts, l'inverter a toujours été à marcher. Mais dès que les charges qui bloquent sur lui, qui arrive avec 7 phases de 40 watts, la pétain. Ok, avec 10 volts batterie de charge, il va être allumé, mais dès que la charge a dépassé et 40 watts, il y a une inverteur. Ok, par exemple, bon là maintenant nous dit que quand il fait la parole, dès que ok. Là, moi j'ai 113 volts, j'ai 113 volts. Et tu as un téléphone avec 995 volts là, l'iPad est éteint. Mais techniquement, avec 10 volts, 989, batterie est éteinte. Bon, ces programmes sont capables de mesurer l'effet pour dès qu'il va avec 10.5 pour l'éteindre. Ok? Et je vais le refaire. Ça va faire 63, je vais passer avec là. 63. Et après, je vais l'éteindre là. Je vais l'éteindre là, je vais faire 63. Il va l'éteindre là, techniquement. Ok, l'éteindre. Ok? Nous avons l'éteindre. Bah, il va être à l'éteindre. Parce que FEA, pour nous, parce que le bâtiment est déchargé. Ok. Bon, je vais battre avec 10.5. Bon, je vais avec 10.5. Avec 10.92. Avec 10.92, c'est. Nouvelle là, fait attirer 65 et voilà, fait attirer 50 watts parce que l'inverteur pour contenu, il a besoin de 17 watts pour le marché sans la grande chili avec fait à bon, 68 watts. Et techniquement, fait attirer en 51 jusqu'à 53 watts et il a tiré 6 ampères sous batterie. Ok, et tension il y a avec 117 volts, tension avec 117 volts. Ok, avec 10.9, c'est qu'une batterie qui est presque déchargée. Comment c'est chaud, presque déchargée avec 10.9. Ok, et bon, regardez à qui niveau la overload, bon, à qui niveau la inverter bétain. Bon, mettez 10 points. Ok, bon, mettez 11 et là, on va mettre avec 10.9. Malin avec 9 volts. Bao. Aïe aïe 10 points 9 volts. Ok, le valet. Ok. Alors, à partir de 10.5, il met la bétaine. À partir de 10.5, il met la bétaine. Pour protéger la batterie. À partir de 10.5. Ok. Donc, moi, je vais avec. Peter, bonjour. Ah, nous avec deux smart UPS, un smart UPS compact 1 kW et un smart UPS compact 2.5 kW. Alors, smart UPS 2.5 kW, la smart UPS 24 volts que lié, 24 volts, et smart UPS 1 kW, la smart UPS 12 volts. Alors, smart UPS compact et 2.5 kW là, l'initié et les quoi fait partie de catégorie smart UPS 12-24 yo. Parce que pour le catégorie de smart UPS compact 2.0 qui va aller venir, smart UPS compact 2.0 yo, qui va venir hein, normalement yo a marché avec ni 12 volts ni 24 volts. Le ça va juste sélectionner SIM sous 12 volts, SIM sous 24 volts. Vous comprenez? Ça veut dire que Smart UPS compact 2.5 kW là, il est même qui commence à initier avec le programme ça, sauf que le beaucoup complet. Le beaucoup complet pour ça faire correctement. Et puis tout nous gagne Smart UPS 1 kW là, ça c'est lui-même que vous pouvez acheter Smart UPS pour là. Acheter Smart UPS pour là. Que nous allons pas l'ouvrir au chat là. Alors Smart UPS 1 kW là, il est même qui en spécial et c'est lui-même qui vient avec remote control. Ok? Il est même qui vient avec remote control. Il est qui vient avec remote control. Donc, nous allons le tester. Nous allons tester
courant et tension sortie au niveau de Smart UPS là. Tension de sortie au niveau de Smart UPS là. Ok, les ouvrir là et sorti 113 volts. C'est Smart UPS compact 1 kW là, 113 volts. Et nous tous étions sûrs que le marché de réfrigérateur. Alors, normalement, Smart UPS 1 kW là, il est recommandé pour mettre un réfrigérateur 5.5 cœurs sous lit. Malgré que le démarché de réfrigérateur une 5.5, une voire 0.5, mais en continu pendant toute la journée, il est recommandé pour mettre un réfrigérateur 5.5 cœurs sous lit jusqu'à 6 cœurs. Ok? Et ça qui est recommandé parce que c'est sûr que pour un autre appareil qui sous lit, ça que pour chaque inverteur, nous avons une catégorie d'appareils qui sont sous lit. Par exemple, un Smart UPS comme ça, on peut mettre à peu près 8 ans pour le solide, en télévision, en laptop, en réfrigérateur et tant d'autres appareils encore, on peut mettre tout ça. Ok, ça c'est 113 volts, ça c'est Smart UPS 12 volts là, parce que avec 12 volts il est alimenté. Mais ça c'est Smart UPS 24 volts là, 24 volts là, ben moins ok, va mettre là la sortie 24 volts là, 2.5 kW. On fait ça. Là, l'ouvre là, il marche silencieusement, même tout le monde pas attendre le cap marche. OK? Il baisse 11 volts, techniquement je peux dire 120 volts, mais ça c'est compact. Nous avons une nouvelle gamme non, et 2.0 qui tout balle 12 volts la baille 120, qui tout balle 24 volts la baille 120 volts. Nouveau gamme Smart UPS que nous avons gagné compact 2.0. Ok, alors c'est ça. Et si Smart UPS, alors achetez pas là, pas oublier que c'est seulement Smart UPS 1 kW là qui est spécial et qui n'a besoin de tout lié avec le remote control. Ok? Qui est spécial et n'a besoin de tout avec le remote control. Alors, ce qui est pour alors pas oublier de partager, abonner, like chaque vidéo. Et Smart UPS.